Bien-aimés frères et sœurs, amis visiteurs, dans le nom de Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Moi, je suis vraiment content. Et moi, je suis pasteur Ousmane Bill. Donc, moi, je suis sorti de la caille. C'est la caille. Moi, là, il y a longtemps que je suis venu dans la maison ici, dans les Frères Unis. D'ailleurs, son ancien pasteur ici qui était prêché dans le mariage, c'était pasteur Jean-Pierre Cassius. J'ai eu une chance de prêcher dans le mariage. Madame, moi, j'étais venu à tout. Et malgré que nous ne sommes pas ici, on va toujours de temps en temps visiter pasteur Rosemont. Son monde vraiment que m'apprécie. Son monde toujours qui a eu contact des années. Moi, je suis content en pile de ce que m'a avec nous. On a adoré mon Dieu et on a mangé parole de mon Dieu ensemble. Avant de commencer, je voulais souhaiter nos chacun là un joyeux 54e anniversaire. Et de dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit toute la gloire. Bon Dieu fidèle, 54 ans, pas 54 jours. Combien de monde a 54 ans? Bon, quelques. Mais moi-même, beaucoup a donné. On va avancer, on va avancer. Parce que vous êtes tout prêt? Beaucoup. D'accord, on m'invite à nous camper, s'il vous plaît, on va faire une lecture rapide de parole de Dieu. Nous allons lire ensemble Jean, chapitre 10. On a pris 1 à 4. Après, ça, on a pris versets 11, 17 et 18. Jean, chapitre 10. Quittez la Bible dans Jean, chapitre 10. On a pris tout d'abord 1 à 4. Nous allons. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, je répète, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. En descendant dans verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Merci, nous capables de chita. Depuis dimanche, est-ce que tu as rappelé le thème rafraîchissement spirituel que nous gagnons par moi ici? Nous sommes capables de dire plus fort pour moi. Il marche devant nous. Il marche devant nous. Il sait c'est qui est-ce? Jésus. C'est qui est-ce? Jésus. Jésus, il marche devant nous. Là, nous disons qu'on a marché devant nous. Ça veut dire. Marcher devant. Donc, s'il est devant nous, même nous, nous derrière. Il marche devant nous. Eh bien, marcher devant, il veut dire précéder. Il veut dire guider. Orienter, protéger, défendre. Ce n'est pas n'importe monde qui a pris devant pour vous. Parce que le monde qui est devant, l'autre marché, eh bien, c'est lui-même qui conduit là. C'est lui-même qui a guidé, c'est lui-même qui a orienté. La différence qui est entre un monde qui prend devant, qui a marché avec, avec Jésus, c'est que lui-même, même si il dit qu'il est devant, est-ce que ça va être pas derrière? Eh bien, l'omniscient, omniprésent, eh bien, lui devant, lui derrière, lui à droite, lui à gauche, lui en l'air, lui en bas, lui de tous côtés. L'air nous dit Jésus a marché devant, ça veut dire que lui entouré nous, ça veut dire la guidé nous, la précédé nous, quelle que soit circonstance qui était capable de venir, et eh bien, lui-même, lui, là, pour lui capable de parler pour nous. Dans Jean 10, verset 11, on te lit, je dis, c'est Jésus qui a parlé, il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. S'il a parlé que, lui c'est bon berger, lui baille ville pour brebis.
Et il dit, pas de monde qui force le bailli. Pas de monde qui force Jésus bailli la paix pour vous. Mais c'est lui-même qui choisit volontairement pour le rendre tête obéissant, obéissant jusqu'à la croix pour être capable de bailler vivre. Mais il est capable de choisir pas de bailler. Pour qui ça, Jésus est obligé de faire sacrifice? Pour qui ça, pour berger, est obligé de faire sacrifice? On va retourner dans l'histoire. Nous connaissons la Bible. Après la création, bon Dieu t'a créé Adam avec Ève, il t'a baillé dans l'homme qui l'a invité pour ne pas manger un fruit dans le jardin, mais qu'il était capable de manger tout l'autre bataille. Et bien Adam et Ève t'a désobéi. Lorsqu'ils ont désobéi, ils ont mangé le fruit, ils ont quitté le tenté, et bien le salaire du péché c'est. Eh bien, puisque bon Dieu t'a parlé, on t'a dit, le jour que vous mangez, il a mouru, eh bien, le fait que vous mangez, eh bien, il y a une condamnation sous Adam et Ève. Et puis, de génération en génération, moi-même avec vous, nous t'avons condamné. Mais Jésus l'a mouru. Jésus qui tellement, bon Dieu tellement aimé nous, qui tellement sensible pour l'homme que vous créez, automatiquement, que Adam et Ève, t'es péché, et bien lui-même il était dans un plan de rédemption. Il était dans un plan pour sauver l'humanité. Il était dans un plan pour restaurer l'humanité. Parce que si le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et bien dans Jean 3,16, qui ça nous lit, ou pas Jean 3,16 avec moi? Qu'il a donné son Fils unique. Le périsse point, mais qui est la vie. Et bien, c'est plein ça que bon Dieu a gagné pour nous. Qui s'en prend lui-même, il prend la forme humaine pour être capable de mourir, pour être capable de racheter l'humanité. Et qui j'en sais fait? Jésus vient sous terre, sous forme de l'homme. Il passe en pile masse, en pile souffrance. Franchement, des fois, on a dit que Jésus est mort, mais nous juste penser on voit comme ça. Nous juste penser, oui, il est mort, il est ressuscité, c'est bon Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Nous faut penser à ça, des fois les saints n'a pas. Nous faut réfléchir à ça. Mais qui t'aime toujours à soi, que souffrance Jésus en était réelle. Jésus a accepté de venir sous terre ça. Pour qu'il puisse prendre souffrance là, il a battu, il a soufflé, il a martyrisé. Mais qui ça a été fait? Rien. Il n'a pas fait rien. Il prend tout péché qui était sous dos nous, et bien il mettait dans lui-même pour accepter, souffrir, marcher, il a caloté, il a soufflé, il a piqué contre lui, jusqu'à ce que il arrive pour mourir sous quoi Golgotha. Il mourit, il est enterré, et trois jours qui ça qui passait, Jésus ressuscité. Jésus prend lui obéissant. Et non, Philippiens 2, verset 8, nous lit, ayant paru comme un simple homme. Or, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus dépouillé totalement pour lui-même, pour moi-même, avec nous aujourd'hui. Mais Jésus fait qui ça? Il a dit que l'a mouru, il a mouru. Il a dit qu'il a ressuscité, il a ressuscité. Il a dit que l'a voyé pour nous, un consolateur, le Saint-Esprit, et bien il fait. Et bien il a voyé. Saint-Esprit, mon Dieu, pour nous. Qui est avec nous, qui est en nous, et qui permet de nous faire ça, qui a marché devant nous. L'île-là, Jésus-là, avec nous, et même je promets que la tournée de chercher loin, la fait tout. Parce que tout ça, mon Dieu dit, l'a accompli. Dans Romains 5, verset 8, nous lit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas combien que j'ai pour Dieu les mains. Ce n'est pas combien les mains pendant que vous avez vu l'église, pendant que vous avez persévéré. L'autre péché, l'autre péché, 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 noir, Jésus est les mains. Et c'est ça que l'on dans l'église. Vous avez dit Jésus les mains. Vous avez dit Jésus a précédé. Et bien pensez à nous qui de nous à tout, qui par contre Jésus. Parce que même si on met Jésus les mains, c'est comme ça que l'on ça va perdre de nous. Et il n'y a pas de nous seul perdu. Non, Jean 10 nous dit que les gens courent, mais qu'on n'a pas qu'un premier qui ne l'a qui pour qu'on en bergerie. Et que les besoins ramener en bergerie. Jésus a fini bientôt, bien aimé. Jésus a
a retourné, Jésus a retourné. Et quand pile monde dehors que Jésus attend qui pour entrer dans bergerie avant de fermer porte là. Si c'est sans Christ qui coulait qui fait nous capable dit la marcher devant. Si Jésus pas mourir monsieur après-midi on pas nous qui t'a capable de terre on a dit que eh bien Jésus lui marcher devant nous, Jésus a précédé nous, Jésus a guidé nous. Nous pas capable dire ça. Nous avons pas dit l'autre bagaille mais nous pas capable dire ça. Et bien c'est sacrifice ça qui fait que nous conscients que non seulement Jésus devant nous, nous connaissons derrière nous connaissons la droite, il devant, derrière, il entoure nous, il tout côté pour nous, pour défendre nous. Et bien c'est par rapport avec ça, bon berger ça qui va être ville pour brebis. Bon berger ça qui nous est obéissant à mon Dieu, qui accepte de mourir, qui ressuscite et qui nous connaît dans le moment ça va marcher avec nous. Que nous tirer sujet ça. Par rapport avec tel que l'on a prédé à dire, Jésus prend devant vous. Dis-moi sur votre côté, ça moi. Jésus prend devant vous. Dis-moi comme ça, Jésus prend devant vous. Jésus prend devant vous, bien. Jésus prend devant. Ça veut dire que tout le monde prend devant. Étant que vous avez devant vos problèmes là, nous ne pouvons pas prendre quelques cartouches. Et puis, quand le monde qui brave, qui s'allume, passez derrière. Eh bien, prends devant pour vous marcher. Si vous avez qui vous arrive, eh bien, la privé avant, c'est moi-même qui prends devant pour vous. Mais pour qui ça, Jésus prend devant pour nous? Pour qui ça, il dit nous dans la parole, que il prend devant pour nous? Eh bien, nous regardons dans le message de moi, ce soir, trois raisons qui font Jésus prend devant pour nous. Bon Dieu, bénis-nous. Première raison qui fait Jésus prend devant pour nous, c'est pour lui capable de développer une relation avec nous. Dis-moi sur côté là, bon Dieu veut développer une relation avec nous. Dis-moi là, nous bon, Jésus veut développer une relation avec nous. Des fois, nous avons parlé de bon Dieu, nous avons prié. Nous avons dit que bon Dieu n'a pas un monde qui est loin, qui n'a pas sa capacité sur terre. Avec nous, à travers cet esprit, Jésus dans le cœur, il n'est pas côté. Et livrez vos relations amicales avec vous. Livrez amis. Livrez amis. Dans Jean 10, verset 4, qui ça nous lit. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Brebis, on connaît la voix berger. Brebis, on connaît la relation avec berger. Brebis, on connaît qui sa berger a planifié pour lui. Brebis, qui est-ce qui berger lui? Il a une relation avec lui. Bon Dieu veut développer une relation avec vous, une relation papa avec petit, une relation amicale. Des fois, il y a quelqu'un qui fait peur, bon Dieu. Nous, peur, bon Dieu. Tu vois, bon Dieu, c'est un peu mon carrière. Mais bon Dieu, cherche une amicale avec vous. Nous prions pour sanctifier, bon Dieu, ses amis. Jésus, ses frères. Nous prions, bon Dieu, pour la papa dire, waouh, Seigneur, moi, mais nous prions pour parler avec Dieu, pour dire parler avec nous tous. Il y a besoin de relation avec nous, il y a besoin de décision. Bon Dieu, qui sont tes cafés là? En prie au nom de Jésus, qui sont tes cafés? Je fais ça ou bien je fais ça? Son ami taille, on va parler avec elle. Nous allons faire blague à mon Dieu, nous allons faire ça. Nous allons faire blague à mon Dieu. Oh, il y a un bagage, mon Dieu, qui fait pour vous. Ouais, mon Dieu est tellement intelligent, mon Dieu est tellement bien fait bagage là. Vous faites à votre dire, mais mon Dieu, ça, ok, sourire. Je vais faire ça pour moi, ou même ça! Je respecte. Oui, là, ça veut dire qu'on a tous amis qui ont parlé avant, qui ont dialogué avant. Qui est tout le même tout qu'on a parlé de, que la fin des temps a venu, que la grande tribulation a venu, mais ça n'est pas pour nous-mêmes chrétiens. Depuis la marche droite, c'est au contraire, on a tant de Jésus venu, on a tant qu'on a les juifs. Si on parle de l'enlèvement, on va le faire chrétien, père. Il va nous faire peur, mais nous avons une relation papa petite avec mon Dieu. Nous avons une relation intime avec lui. Bon Dieu a cherché une relation avec vous à soi. C'est peut-être ça la précédé. La précédé parce qu'il a besoin d'une relation avec vous. La précédé parce que quand on parlait, elle veut arriver avant vous. La précédé parce qu'il connaît sa capable bon pour vous. La précédé parce qu'il est aimé. La précédé parce qu'il n'est pas la ville pour vous. Et la marché avec vous. La marché devant. Mais c'est un peu de la vie de son ami, lui devant. Mais pendant le devant, la paix de la gare, bon Dieu a cherché une relation avec nous. N'importe quel verset 20 qui ça dit.
Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qui ça va faire? Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La frappe est votre cœur à soi. Des fois, nous avons tendance à faire nous peur, mon Dieu. Nous avons tendance à un gros bout de tonton avec une barbe blanche qui a 4000 dans le fond et puis qui a mon iguale dans le même et puis le capitaine qui l'a pour le fouetter ou non. Au contraire, c'est un bon berger. La prier, la chercher, livrer en relation avec vous. Il n'y a pas seulement pour venir côté dans la prière pour dire bon, 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 bon. L'école, si vous avez travail, si vous avez tout le travail net, c'est quoi qu'on a besoin? On va faire jeûne, on va faire prier, non? Combien de fois on prend le temps pour prier, bon Dieu, juste pour relation avec lui? Ou dis pas demander, bon Dieu, rien. Je juste rester dans la présence lui pour demander pour avoir plus de relation avec lui. Pour venir plus en mille. Et où est nos amis, bon Dieu? Pas rien qu'à priver pour ne pas avec Dieu. Pas de rien qu'à priver pour Dieu, pas avec Dieu, parce que lui-même qui précède, il compte ça qui a passé demain, il compte ça qui a passé après demain, même dans 2 ans, 5 ans, il compte ça qui a passé. Et il n'est pas capable de faire 10 ans, 1000 ans, ou 16 ans, 1000. Comment on peut être capable de faire ça sans pas dire? Comment on peut être capable de détruire la sans pas avec Abraham? Quel est le bagage de nos amis, bon Dieu? Et bien, pas faire sans pas informer. Quel bagage qui a passé dans la vie, il ne peut pas dire lui. Et m'a dit ça, nos amis, mon Dieu, nous avons une bonne relation avec mon Dieu. Nous avons prié, pas seulement prié, après son diamètre ou aller. Parce que c'est à Zambie qu'on parle. Oui, on parle à Zambie, on ne va pas parler seulement. Zambie, on va parler tout. Ou parler, mais après Zambie, on parle. Eh bien, nous avons une relation, une bonne relation avec mon Dieu, nous avons une prière, pas pour diamètre. Si on a fait une prière à 6h30, font un jour pour faire une prière depuis 6h25, qui t'ont 5 minutes. Dis bon Dieu, fin tout ça, tape tout, on fin parler, couvrir, on fait parler. Et vous garantissez que vous faites ça. Vous avez tant de voix, bon Dieu, qui a parlé dans le cœur. Vous avez tant de sommes, de l'autre, tant de qui a communiqué à vous. C'est pour mon Dieu, souffle, qu'on vous parle, parler, 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 vous dites amen. Et vous, imaginez, vous parlez à bon Dieu, vous avez cause à elle. Couli même la préparer pour parler avant qui soit dit vous-même ou dit amen et pour aller. Et bien qui j'ai le senti, il dit waouh. Il fait parler avec nous, il nous dit tout, mais il parle attendre. Les gens savent quoi pour Dieu, il est tellement pas attendre, la parole avant dans la prédication, la voix et l'autre monde côté, la voix des sons des visions, la plus j'ai utilisé l'autre moyen pour parler avant, mais il est capable d'avoir dans la prière tout. Bon Dieu précédé, bon Dieu prend le vent pour vous parce que la chercher une relation avec vous, une bonne relation avec vous. Deuxième raison qui fait, nous dit bon Dieu prend le vent pour vous, et bien il prend le vent pour vous, il combat pour vous. Nous qui fait pas prendre le vent pour vous. Et donc vous êtes capable de tout le monde, il n'y a pas pris l'école, et puis un grand frère qui est gros taureau qui s'attend à faire, il dit, et bien on met un petit petit, passez derrière. Moi, je prends le vent et puis je vais avancer. Mais lui-même qui prend le vent, il connaît son taureau, il connaît les forces, il connaît la bataille. Les bons dieux prennent le vent pour vous, c'est pour être capable de combattre pour vous. La combattre pour vous. Dans Deutéronome 1, verset 9, qui nous lit, il dit l'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. L'Éternel, votre Dieu qui marche, qui boit devant vous, combattra lui-même pour vous. C'est ça l'Éternel qui dit, peuple Israël a réagi. Il dit, m'a marché devant nous. Et qui ça a marché devant nous, qui ça a fait là, combattre pour nous. Bon berger a marché devant. Et bon berger a marché devant pour qui ça? Quand il y a une épine sur route là. Quand il y a un piquant. Quand il y a toutes sortes de bagailles sur route là. Et bien, bon berger a même mis un bâton. Et bien tout ça était capable de faire, qui était capable de blesser vos milieux, qui ça le fait, et bien, il balaye, il chute, il mette à part. Les avons loups sous route là, qui ont pris vos milieux, et bien qui ça le berger a fait? Est-ce qu'il courit? Non. Bon berger n'a pas couru, au contraire, il chasse loin, il chasse tigre, quel que soit bête là, il chasse, et puis tout vos milieux passés, nous ne pouvons pas connaître. Les gens doivent marcher devant. Et bien, il bon succès. Il défend nous, son pas même qu'on est. Et il est tout à souhait que bon Dieu a marché devant la protéger, on va gagner mon peuple.
Les bon Dieu marche avec ou pas gen rien pour craindre, ou pas gen rien pour peur. Yo raconte histoire, yo monsieur, bon Dieu marche avec. Bon Dieu te dit devant ou derrière. Et puis ils vont côté, les la marché, ils vont côté qui ouais prier bon Dieu qui marche dans sa là. Après ça ils vont côté, il pas ouais prier, mal prier. Il pas comprendre, il pas ouais mal prier. Bon Dieu ouais seulement on se lève la belle ouais, on se lève mal prier pas ouais, mal prier encore. Mais dit bon Dieu, mon Dieu dit ouais marcher devant, mal marcher pas ouais encore. Et bien dit côté nous t'as passé là. Pas carré de devant seulement, t'es obligé pour mettre au sous ton pour te traverser à bord. L'homme est deux pieds à marcher, il n'y avait pas de pied bord, c'était des pieds pas parce que moi-même qui t'ai porté au sous l'eau. Les bon Dieu a marché devant, pas de rien capable de vivre. Aux États-Unis, t'es gagné un jeune chrétien qui t'a passé la nuit dans une sorte de tunnel. La machine dans le tunnel là, avec des caméras, et puis t'es gagné deux bandits. Qui t'a pressé, qui t'a envie, prend toute bagaille sous lui, râle couteau sous lui. Mais ils ont quitté l'allée, et puis pour deuxième demoiselle, c'est deuxième demoiselle, ça y prend. Mais comme il y a caméra de surveillance, avec caméra, ils ont fini arrêter bandit. Et puis pour interroger, ils ont dit, mais pour qui ça, nos caméras de surveillance, nous avons première demoiselle ça a passé, nous avons été campés dans la surveillance, nous avons pas attaqué lui-même. Pour qui ça c'est deuxième dans l'attaque? Vous voyez qui ça te dit? Il dit, oh, nous pas trop gros nez qui te marché devant demoiselle ça avec là. Nous pas prendre chance à l'attaquer. Les regardez la caméra, vous pas ouais, personne. Mais bon Dieu t'a marché devant demoiselle chrétienne ça, et bien bon Dieu ça a révélé la bandille pour te faire ouais devant pour ne pas t'attaquer demoiselle ça. Les rois marchaient, bon Dieu précédé, ils marchaient devant, ou qu'ils ne pas ouais. Mais putain, l'autre monde qui voulait attaquer, il y aurait son paquet de milliers en l'armée qui campait autour de vous-même. Si mon Dieu t'a ouvert, j'ai vous-même, j'ai réalisé tout le mon Dieu est obligé, Géasi, pour te ouais, chariot, pour te capable ouais, monde qui devant, des fort à orgueilleux. Si mon Dieu t'a ouvert, j'ai on l'a dormi pour t'a montrer combien de anges qui ont trouvé caillou, des fort à la table, pour la bien pour vous parler. Bon Dieu devant, ça veut dire qu'il est tout côté avec vous. Bon berger, il marche devant, il prend devant, c'est pour être capable de défendre nous, pour être capable de combattre pour vous. Lorsqu'il est en côté, eh bien, il est en chute avant. Marcher à pas dire que forcément c'est droit, marcher seulement devant. Lorsqu'il est couché, quand on va coucher, eh bien, il est couché avant. Lorsqu'il est mangé, manger, ou qu'il est mangé, il est en pays, il mange avant même qu'on mette le premier cuir à la dame. Moun ka marcher dans Jésus, moun ki gen foi dans Jésus, mais Jésus toujours précédé. Li précédé parce que lui-même est omniscient, omnipotent, omniprésent. Pendant que même là, par contre, qui ça va passer à soi, lui-même il était comme ça va passer. C'est peut-être ça l'homme sorti là, lui-même le connaît l'obligé précédé, l'obligé prendre devant pour qu'on qui va l'amener. Lorsqu'on gen Jésus qui marche devant, pas peur rien. Ou pas traîner rien parce qu'on connaît un bon monde devant. Et tout ça qui a vini lui-même là, défend nous. C'est quoi Jésus qui garantit nos marches? Si Jésus n'a pas mourir sur la croix, ou pas d'avoir assurance ça. Si Jésus n'a pas mourir pour pas d'avoir assurance que, et bien moi derrière, pour Dieu devant, Jésus a marché pour moi-même. Nous voyons l'histoire de Josaphat. Josaphat qui est entouré, nous l'histoire dans 2 Chroniques 20, verset 15. Il était entouré de trois lamés. Trois lamés mettaient ensemble pour faire qui ça? Trois lamés mettaient ensemble pour être capable de vaincre Josaphat. Josaphat arrive à mon côté, Josaphat parle qui ça pour le faire. Je trouve des fois où il va mon côté, il parle ça pour faire. Pas faire semblant, à l'autre bon Dieu, pas la vérité. Dis Seigneur, je ne parle pas qui ça pour faire. Je ne parle pas ça pour faire. Mais pas plein seulement, non? Josaphat plein. Bye bon Dieu. Il dit pas ouais qui ça me fait devant année ça, devant multitude ça qui entoure non. Mais mon dernier parole il va dire et c'est parole ça bon Dieu t'attend. Qui ça va dire? Il va dire mais mes yeux sont sur toi. Dans n'importe quoi vivre. Lorsqu'il prie, prie bye bon Dieu. Lorsqu'il dit toute bagaille, pas prier dit mon Dieu, mes yeux sont sur toi. C'est dernier parole ça qui va faire mon Dieu marcher. Et c'est ça fait moi-même personnellement. Moi, je crois que Haïti n'est pas loin de nous.
Moi, je crois ça à tout cœur. Pour qui ça? Je fais voyage en pile dans le pays. Tout côté passé. Que mon chrétien, que le pas chrétien, l'homme est qui est capable de délivrer Haïti. Longtemps, les petits mondes, ils étaient quand président qui est tout près de moi. Les petits grands, ils étaient quand ils sont après là. Les petits grands, tout récemment, dans le pays, nous l'avons tout le monde croit que c'était chanteur. Après chanteur, ils étaient quoi c'était les bananes. Tout le monde était sûr de son monde. Mais on garde tout le monde, tout le monde passé. Vous n'avez pas de chrétien, vous n'avez pas de chrétien sur Dieu qui est, vous n'avez pas de personne. Même si Josaphat dit, vous n'avez pas de personne. Mais tout le monde toujours a dit, c'est le seul bagage. Mais seul mon Dieu qui a fait. Et l'autre dit, c'est seul mon Dieu qui a fait, bon Dieu a fait. Moi, je ne sais pas que tout le monde dans le pays a converti pour Dieu changer le pays. Mais pour faire le reste seulement, pour faire le reste du monde qui croit que le pays a changé pour mon Dieu a fait. Moi, je crois et je prenais moi ma foi. Ma foi change ça. Parce que moi, même je le fais dans la Bible, dans toute l'histoire, on a toujours été des gens qui ne reconnaissent pas capable. Et qui reconnaissent que c'est bon Dieu seulement capable, bon Dieu va changer. Et bien, Josaphat, les Josaphat te fini de dire ça. Qui ça, bon Dieu te dit? Il te parlé avec Jacques-Azel, il dit ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ouais. Si ce n'est pas nous-mêmes qui avons combattu, c'est bon Dieu qui a combattu, et bien quoi bon Dieu est bon Dieu devant. Et histoire montre nous, bon Dieu dit, yo, mettez chanteur devant, allez dans la guerre. Et là où il fait, bon Dieu te précède, bon Dieu te prend devant, yo, parce que qui ça le fait? Il fait trois armées à eux. Premier à bataille avec deux autres, il détruit. Puis entre eux encore, il a tué l'autre, et bien comme bon Dieu précède, comme bon Dieu prend devant, comme bon Dieu marche devant, yo, et bien là où il fait qui ça rejoint, c'est cadavre et lui en seulement aujourd'hui. C'est pour mon Dieu précéder dans l'étude. C'est pour mon Dieu précéder dans le travail. C'est pour mon Dieu précéder dans la vie familiale. Quand on soit pour parler pour mettre bien que mettre la mort. Bon Dieu, l'homme Jésus qui a marché devant. L'homme qui a précédé, c'est succès en commun. C'est grâce. Jésus précédé, on ne pas gagner pour perdre Jack. On ne gagner pour perdre rien. Des fois, par contre, pour qui ça, malgré nos chrétiens, nous avons perdu Jack. Nous avons ça. Combien de temps nous avons perdu Jack? Nous avons pour ça nous perdu Jack. Nous perdu Jack parce que des fois nous avons fou. On j'en nous perdu Jack. Des fois nous avons pensé que bon Dieu en haut, les grands, Satan en haut, les grands, et puis moi-même, moi dans le temps. Et tant que nous avons deux gros, nous-mêmes, nous tout petits, donc ça veut dire que soit nous nous cachons. Bon, tout ça, soit malé, bon côté, tout ça, que c'est diable là, mais quittez tout, c'est pas vrai, il va pour ça. Si on t'a mis ton schéma, nous avons dit un schéma, ou bien bon Dieu en l'air, ou bien en deuxième, pour que Satan va bien. C'est quoi ça? Pour qui ça, pour ça? Eh bien, parce que, qui ça Jésus fait, dans Colossiens 2, verset 15, qui ça fait, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Mais Jésus mourit sur la croix. Mais ressuscité, Satan n'a pas quel pouvoir. Il n'a pas quel pouvoir. Et ça fait un point dans le Nouveau Testament. Ils ont comparé avec un lion rugissant. Mais la Bible n'a jamais dit que Satan est un lion rugissant. Lion, véritable lion, unique lion qui s'allie, c'est Jésus, le lion de la tribu de Juda. C'est seul lui-même qui lion. C'est Jésus qui a tout pouvoir. C'est lui-même qui a toute puissance. Pour nous pas jamais peur, Jacques. Pour nous pas peur, pour qu'on sent Jésus qui est coulé pour nous, nous avons rien pour nous peur. D'ailleurs, il est capable de dire, bon Dieu a autorité sur les démons, il a autorité sur Jacques, il a autorité sur tout ça qui est capable de camper devant. Des fois, c'est on prie mon Dieu, mais après lui-même lui dit, il a autorité à déjà. Il a autorité à déjà pour capable de chasser les démons. Il a autorité à Dieu en pas rien capable de nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les lions, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Qui s'en caractérise dans rien? En rien. Et rien ne pourra vous nuire. Mais des fois, on a peur. Et tant qu'on est capable de dire, on prend un serpent, tête coupée, mais la tête serpent coupée, qui s'en nous connaît qui passe? Que y a battu? Eh bien, Satan, c'est qui est capable. Mais qui a ouais qu'à battre ou peur, mais pas de tête. C'est là qu'on débat tout, si d'avant, on loue, mais loue en sans dents.
louange sans gain. Parce que l'homme qui coûte pouvoir gain dans mon Dieu, ou pas gagner pour faire peur. Bon Dieu, Jésus dit, miracle, il faut faire. Et même quitter pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous faisons plus toujours. Sous quoi le pouvoir gagne dans Christ, et même pas gagner qu'à faire peur. Lorsque nous brisons tout le caille, pas gagner qu'à faire peur. Ou chasser le nom de Jésus, après ça, vous montez sous cabane, ou prendre ou couvrir, et vous gonfler jusqu'à demain matin. Parce qu'on connaît une puissance, ou un pouvoir. Et grâce à qui est-ce? Grâce à mon qui précède là. Grâce à mon qui prend devant vous. Grâce à sacrifice la croix. C'est parce que Jésus mourit qui fait capable de pouvoir ça. Les Jésus mourit, et bien, qui s'est passé? Et bien, il détruit puissance ténèbre là. Il détruit puissance ténèbre là. Mais qu'on y a qui ça? Satan fait, des fois la compression. C'est qu'il y a un monde qui est capable de faire malheur, il veut par l'autre monde que vous-même encore. C'est vous-même encore. Donc, qui ça fait, il veut l'agiter, il faut grimace, il faut peur, et puis vous-même dans peur, où, et bien, qu'on y a là, vous avez fait toutes sortes de bagailles pour qu'ils t'ont parlé par la peur. Mais qui t'aime tout à souhait, là, contre puissance qu'on a dans Christ. Si vous entrez dans Christ, pas entrer dans Christ, et puis vous avez peur, ou si on n'a pas, ou si on est spécial. Quel que soit sort du catal, capable d'en être passé dans le pays, pas peur, pas crainte, contre qui vous assurez. La parole de Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ou même leur marché, ou pas qu'ils prêchent, parce qu'on connaît des gens qui marchent devant. Leur lever matin, on va entrer dans le travail, on ne va pas qu'ils prêchent. Ou t'en des problèmes, ceci, cela-bas, ou bien assurance que bon Dieu a changé ces circonstances pour même. Moi-même, je connais avant l'événement, bon Dieu a fait un bagage pour Haïti. Mais pour qui ça? Pour le pays d'Haïti, pour le monde qui a prié. Matin de la Gola. Après-midi. Après-midi, on rentre avant de venir. Nous imaginons rentrer vers midi et demi, il y en a rentré à l'aéroport. Je regarde pour moi plusieurs monde qui ont l'aéroport, des employés qui n'ont dit coin, qui ça a fait pendant ma passée, je suis à prier. Pour qui ça a prié pour Haïti? Je suis passé pour ça, je suis envoyé. Seigneur, tu es libre d'Haïti, Seigneur, tu es libre d'Haïti, Seigneur, tu es libre d'Haïti. Je dis, waouh, Seigneur, on peut dire que nous sommes quand même. Dans le midi, nous quittons le travail. Il y a un petit coin ensemble, et on va faire pour nous. Il y a un petit coin caché, et qui s'est fait, il y a intercédé pour Haïti. Donc, imaginez nos circonstances comme ça. Pour bon Dieu, pas attendre que nous sommes. Pour bon Dieu, pas dire un mot pour nous sommes. Non. En plus, nous avons bénéficié, mais bon Dieu a fait spécialement pour nous-mêmes. Quel est le bagage de prier? Même si je dois prier pour bien les mecs qui sont malades. Même si mon Dieu va attendre de prier tout le monde. Même si mon Dieu, pour moi, même seulement faire. Fais ça pour moi, mon Dieu. Et pour, dans la Bible, pour moi, jamais monter. Bon Dieu, déduit. Ça va jamais faire. Bon Dieu, toujours retirer injustice avant de déduire tout le monde qui est juste. Et toujours faire. Il fait Sodome et Gomorrhe. Il fait pour Noé. Et la fête avec l'enlèvement. La fête d'enlèvement, les Jésus-Christ, les gens qui ont servi, ils ne sont pas connus dans la tribulation, ils ne sont pas arrivés avant. Et je souhaite que vous parmi les gens. Je souhaite que vous parmi les gens qui prennent son prophète là qui est arrivé. Donc, nous voyons que bon Dieu devant nous, pour qui ça, Jésus a marché devant nous pour qu'on ait une bonne relation avec nous, une relation amicale avec nous, mais également pour être capable de combattre pour nous, pour être capable de défendre nous. Troisième et dernière raison qui fait, bon Dieu, Jésus prend devant pour nous, et bien c'est pour nous la vie éternelle. Tout ça va passer sous terre, ça, tout ce qu'on est de bon, de moins bon, tout est au passager. Ma Dieu, ça vient aimer, on son trompette qui vient pour sonner. Et là, la sonner, il est réel. Bon Dieu a précédé, Jésus a permis que vous entendiez la parole, il a permis que vous persévérez pour qui ça? Il prend le fond, la préparer en place pour vous. Et il dit nous ça dans Jean 14, verset 2 et 3. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qui ça l'a fait? Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et dans le début verset, il dit, si pas comme ça, pas dit nous ça. Si ce n'est pas vrai, pas dit nous ça. C'est parce que lui, réel, Jésus a préparé une place pour nous. Donc il précédait nous. Même si Jésus était en veillant,
L'être fin mourir, lever, ressusciter, l'enseigner, disciple, après ça le monter. Même j'ai été monté à nous-mêmes tout, n'a bien pour nous monter tout. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec lui dans les airs. Nous bien pour enlever. Et Jésus devant la préparer place là pour nous. La préparer place là et il précède nous dans ce sens. Il prend devant nous dans ce sens pour la préparer en place pour nous. Est-ce que nous-mêmes nous répondons à l'appel? Jésus a retourné et c'est réel, frères et sœurs. Vous avez dit peut-être, t'as maintenant des paroles ça. Nous n'avons pas qui fait triste en ville, dans la vie, des fois. C'est que nous avons directeur d'école. Et ça, nous avons formation, nous avons formation des formateurs. Il a préparé ça, c'est en 2010. Il faut formation par la pédagogie, comment on peut enseigner là. Et t'as préparé pour nous, pour le voyer nous, dans nous, chaque côté, pour le faire expérience. Je me souviens, la veille, le jour dernier, quand on m'a parlé avec le directeur, elle a félicité nous, etc. Elle a bouclé le site d'études là. Et puis, par contre, pour qui ça, il y a un pasteur dans le plan, et puis qui dit, maître, est-ce qu'on a accepté Jésus déjà? Et puis, il passait le pasteur à l'analyse. Il dit, depuis petit monde, je suis en train de faire des choses, grand parole que tu as de Jésus à venir. Eh bien, Jésus m'a fait des choses, Jésus ça pour moi. Si la vie est venue, il n'y a pas de choses, laisse-moi faire. Laisse-moi entrer dans le cours. Je me dis, maître, ça va se faire dans le réel. Elle prie, mon Dieu, demande, mon Dieu, pour réveiller nos âmes, mais parce que la vôtre. Il passe dans le zip et puis fâché, il vient là. C'était dans le jour et puis dans demain, qui s'est passé à 4h05, il y a un tremblement de terre. Là où tu mets quoi la classe, premier mot que je demande, c'est pour le directeur. Premier mot que je demande, c'est pour le directeur. Et bien, qui s'est dit, ni lui-même, ni madame, ni petite, il a tout été mouillé à l'école. Ça te fait triste parce que je ne sais pas qu'on est qui s'est dit à mon Dieu après dans le cœur. Mais si la conversation te connaît, si pour ça nous oui, nous connaissons pas sauver. Nous connaissons pas sauver. Donc, même des possibilités à soi, à entendre les paroles là. Jésus est mort et sacrifice est réel. Il n'est pas souffert dans le monde de Capabdou qui connaît que la fait semblant, non. Il est souffert réellement. Il prend pour réellement. Il mourit tout bon. Il ressuscite tout bon. Il enlève tout bon. Mais souffert tout ça. Pour qu'il ne soit pas croyant qu'il a tourné avec tout bon. La tournée tout bon, frère. La tournée. La tournée, et si on ne pas préparé, il ne va pas prendre. Et je ne sais pas si quel monde n'a pas assisté à l'événement. L'église, mon Dieu, n'a pas de problème. Parce qu'elle était connue, elle était connue qui j'en ai même à fonctionner. Mais pour moi qui était l'église, imaginez-vous dormir. Et puis le lever matin, on allume la radio, qui s'entendait, journal première occasion, et mais qui s'est ouvert la dit, on pas quel bon monde qu'il a cherché au parole dans le micro. Il n'y a pas de côté, il y a la Bible qui a été vraie. Il y a cherché pasteur Rosemont, il n'y a pas ouel. Il y a cherché pasteur Intel, il n'y a pas ouel. Et puis vous-même, vous êtes ouel, vous êtes sous la bonne main, vous nouvelles ça. Qui vous fait attendre? Qui vous fait attendre nouvelles là? Par exemple, vous avez une vieille nouvelle, non, frères et sœurs? Et puis vieille nouvelle, vous n'avez pas recevoir. Pour donner tout le monde qui est l'église, frère Intel enlevé, sœur Intel enlevé, il y a cherché au parole. Et pour même pour où? Là. Païen, on ne va pas personnaliser. Je ne vais pas dire moi-même qu'on aime ces païens. Qu'on aime d'après ça qui mal. Mais ou même, pour que je nous avons l'église là, pour diriger, pour prêcher, ou dans son, pour faire musique, ou dans veille de nuit. Et la terrible fait ces choses. La terrible pour moi qui était après l'événement ça. Ou est-ce qu'on a obtenu l'évangile gratis? Gratis. Pour obtenir l'évangile après pas même j'en mort. En plus, on a tué des dieux, la Bible dit. Mais l'amour a refusé. On a besoin de mourir. La monter son cahier là, l'école là, en bas. Puis la casser, mais la pas casser, mais pas mourir. On a envie de mourir, pas qu'à mourir. Ou mort seulement, a envie de tout le monde, pas mourir. La pas vivre ça, la tenir. Donc, même pour obtenir l'évangile, on a une possibilité ça. Pour comprendre l'important sacrifice Jésus a accepté de vivre par eux. Pour accepter, bien aimé, c'est bon, je vais prier. Nous sommes ensemble, l'important sacrifice Jésus par rapport avec nos bergers.
nous est qui raison qui fait Jésus précéder nous, qui raison qui fait lui prendre devant pour nous. Premièrement, nous est c'est pour lui développer une relation avec lui. Vivre une bonne relation, une relation amicale, une relation amicale ensemble avec nous. Mais nous devons tout pour combattre pour nous, avec Jésus pas gagner pour peur. Quel que soit ce que tu es capable de vivre dans ce moment ça. Tu es capable de problème carré, un problème machine, un problème l'école, un problème de sécurité. Jésus précédé déjà. Et tout côté à mes pieds, même si tu attends ces hommes, bon Dieu précédé, et la passé avec au nom de Jésus. La passé avec vous, la préservé, la gardé. Et les précédé, les devons pour qui ça encore troisième pour nous, c'est pour lui offrir la vie éternelle. Mais qui exigence qui gagne pour mon Dieu précédé? Est-ce que mon Dieu précédé, Jésus précédé tout le monde? Est-ce que les deux l'a marché devant tout le monde? Est-ce que lui prend devant pour tout le monde? Non. Il y a une exigence que lui fait. Dans Genèse 17, verset 1, qui s'appelle dit, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Mais qui s'apprend à prendre devant? La marcher devant, la prendre devant pour vous, ou même les enfants, ou marcher devant face. Qui ça veut dire marcher devant face, mon Dieu? Marcher devant face, mon Dieu, veut dire respecter par mon Dieu. Marcher devant face, mon Dieu, veut dire pour être intègre. Marcher devant face, mon Dieu, veut dire pour être honnête. Ou pas dans la fornication, jeune pour vous marier, ou pas dans la relation sexuelle, ou pas dans la masturbation, ou pas dans l'adultère, ou marier ou madame, et puis ou bien mon sur côté, ou à penser, ou dans WhatsApp, ou à vous dire que ça va être ou pas capable, faut marcher droit devant mon Dieu. Faut marcher droit devant. Il dit, marche devant ma face. L'on marche devant face, mon Dieu, mais lui-même, la camper devant vous, la prendre devant vous. Ou marcher devant face, lui, ou couper au devant, ou obéir par lui, et lui-même qui ça va faire, la marcher devant vous. Ou même qui m'attend, qui parle à vous comme Christ, mais plutôt, capable d'accepter Jésus. Parce que ça n'a pas dit à l'éveil, de bien dans nous. Quand les gens qui croient que Jésus est venu, ils croient qu'il est mort, ils croient qu'il est ressuscité, ils croient qu'il est monté, ils ne croient pas qu'il est retourné. Et ils ne croient pas que les gens qui ne sont pas avec eux, ils vont passer une grande tribulation. Si vous avez des gens qui ne peuvent pas accepter Christ, mais vite, vous êtes capable, juste lever les mains, et puis vous êtes capable de prier pour vous, pour capable d'accepter. Parce que l'homme prend une décision pour marcher devant face de Dieu, vous mettez lui-même la marche. La marche devant vous, la prendre devant vous, et quel que soit le problème, quel que soit sorte qu'à comprendre qu'on gagne, la précéder déjà. Quel que soit ça ou même qu'il a, qui nous a salé, comme difficulté, comme problème, assurons que bon Dieu l'idée déjà. Pas oublier que bon Dieu nous gagne, lui, omniscient. Ça ne peut pas passer dans deux jours, il connaît. Et là, il prend devant, là, il prend devant pour bien préparer pour vous. Il y a un projet que vous préparez pour vous. Qui ça y est? C'est un projet de paix et non de malheur. Mais il y a une exigence. Marchez devant, face. Marchez devant, face. Donc, nous souhaitons tous à ce nous capables de marcher devant, face pour Dieu. Est-ce que vous avez qui t'a aimé accepter Christ? Si vous avez comme ça, vous avez juste levé les mains. Si vous n'avez pas fait le coup, vous êtes capable de rejoindre le pasteur Osmond, vous êtes capable de prier avec vous parce que le dernier temps arrivé, le dernier temps réel. Bon Dieu, Jésus a précédé, Jésus a marché devant, mais lui-même l'a attendu que vous êtes capable de marcher devant face. Que bon Dieu est capable de bénir nous chacun là. Que marcher pour nous, que prendre devant nous, que diriger nous, que couvrir nous, que protéger nous. Que tout côté de nous mettez pieds, nous, que lui-même nous mettez pieds là-bas. Notre travail avant nous chita sous chaise là, que nous chita avant. Avant nous mangeons, manger, que nous mangeons avant nous avant. Quel que soit côté de la décision que nous prenons, que nous entrons dans notre tête, que nous discernement pour savoir qui ça peut choisir, que les deux choisissent, que nous dirigeons d'éternité en éternité et que nous venions chercher, nous monter avec nous, pour nous réjouir avec nous éternellement. Que bon Dieu bénisse.